Bonsoir. Le mauvais temps d'abord, cela tourne à la catastrophe en Italie. Depuis ce matin, les pluies torrentielles qui se sont abattues sur le nord du pays ont déjà fait 11 morts et 4 disparus. Toutes les victimes sont mortes, noyées ou ensevelies sous les décombres de leurs maisons. La plupart des routes et des autoroutes dans la région de Gênes et de Turin sont coupées. La circulation est très difficile, évidemment, d'autant plus que les ponts s'écroulent. La ville d'Aoste, 30 000 habitants, est isolée par les eaux depuis ce matin. Les opérations de sauvetage sont particulièrement difficiles car la pluie continue à tomber sur tout le nord de l'Italie. Il s'agit là de l'une des plus graves inondations qu'ait connue l'Italie au cours des 20 dernières années. Autre conséquence de ce mauvais temps, la ligne de chemin de fer du Simplon entre la Suisse et l'Italie a été coupée. Le tunnel du Mont-Blanc est fermé, lui, depuis ce matin en poids lourd, toujours en raison des inondations. Et puis pour demain, la météo n'est pas très optimiste. Des nuages et de la pluie de la Manche aux Pyrénées avec de la brume le matin. Dans le courant de l'après-midi, ces pluies vont s'étendre des Ardennes à la Méditerranée. Des averses sont aussi prévues sur l'ouest. Les vents de sud à sud-ouest vont se renforcer, notamment sur les côtes et dans la vallée du Rhône. Les autres grands titres de l'actualité maintenant, avec tout d'abord l'Espagne. Et cet attentat qui a coûté la vie au président de l'Assemblée provinciale de Biscaye ainsi qu'à deux autres personnes qui l'accompagnaient. Un quatrième blessé a été transporté dans un hôpital dans un état grave. Monsieur Unceta et ses amis venaient juste de quitter le fronton de Guernica où ils venaient de jouer comme tous les samedis à la pelote basque lorsque leur voiture a été mitraillée par un commando en fin de matinée. Pour l'instant, ce triple assassinat n'a pas été revendiqué. Mais il faut rappeler qu'il survient au lendemain de l'annonce par les extrémistes de l'ETA, l'organisation autonomiste basque, de continuer la lutte armée. Et puis un attentat qui coïncide aussi avec le début à Madrid des négociations entre le gouvernement et les partis d'opposition. Négociations qualifiées par certains d'historiques. Bruno Albin de Madrid. La nouvelle de l'attentat a surpris tous les leaders politiques espagnols au cours de la réunion qu'ils avaient depuis ce matin avec le Premier ministre Adolfo Suárez. Vers 2h30, à l'annonce du meurtre du président de la députation de Biscaye, les travaux de ce sommet ont été suspendus, le temps que les chefs des délégations de toutes les familles politiques se rassemblent pour condamner l'attentat et pour lancer un appel demandant à tous les Espagnols de conserver leur confiance envers la démocratie. Tous, depuis le Parti communiste jusqu'au néo-franquiste, sauf les représentants de la minorité parlementaire basque, que nous avons vu quitter précipitamment le palais de la Moncloa, la résidence du chef de gouvernement, à cette nouvelle. Ce qui s'est passé cet après-midi à Guernica est très grave. D'abord parce que ce meurtre fait passer au second plan des préoccupations espagnoles cette réunion de tout l'horizon politique du pays, au cours de laquelle Adolfo Suárez souhaitait conclure un pacte avec l'opposition parlementaire et se mettre d'accord avec elle sur un certain nombre d'options clés. Le fait de pouvoir rassembler les hommes que nous avons vus ce matin autour de la même table passait ici pour un événement historique, de nature à faciliter la recherche des solutions aux problèmes que la jeune démocratie espagnole traverse actuellement. Très grave ensuite, parce que le geste des terroristes intervient à quelques jours seulement du vote que les Cortés doivent émettre sur un projet d'amnistie élaboré par la gauche et le parti gouvernemental, un projet qui n'est pas vu d'un très bon œil, notamment par certains militaires. Très grave enfin, car après le rétablissement de la généralité de Catalogne, le gouvernement d'Adolfo Suárez et les parlementaires basques avaient entamé depuis deux semaines des négociations en vue d'aboutir au rétablissement d'un statut d'autonomie pour le pays basque. L'amnistie, si large soit-elle, et l'autonomie ne nous suffisent pas, avait déclaré hier l'ETA dans une communication téléphonique à une station de radio de Bilbao. L'ETA continuera la lutte armée jusqu'à ce que le gouvernement veuille réellement changer les choses. Cela signifie, dans l'esprit de ses militants, jusqu'à la création d'un État basque indépendant. Et puis toujours à propos du Pays Basque, le militant séparatiste Apalategui, placé sous contrôle judiciaire depuis sa libération le 6 septembre dernier et qui devait se présenter chaque mardi et chaque vendredi devant les policiers de Marseille, Apalategui a disparu. D'après ses avocats, cette absence n'aurait pas un caractère définitif. Après 10 jours de silence, les ravisseurs de M. Schleyer ont transmis ce matin à deux journaux français, Libération et France Soir, et à une agence de presse suisse, une lettre du patron des patrons ouest-allemands et une photo couleur qui ont été identifiées, authentifiées même par les services de sécurité ouest-allemands. Dans cette lettre de 3 feuillets adressée à son épouse, M. Schleyer demande au gouvernement fédéral de se décider rapidement. Il explique également qu'il va bien physiquement. Une nouvelle réunion de l'état-major de crise s'est produite cet après-midi à Bonn pour étudier les derniers développements de cette affaire Schleyer. La conférence de Belgrade sur la détente entre l'Est et l'Ouest.
Fin de la première semaine de travaux. Les 35 représentants des États signataires des accords d'Helsinki ont pris la parole les uns après les autres ces jours derniers. La semaine prochaine, tous ces diplomates examineront à la loupe les engagements qui avaient été pris il y a plus de 2 ans à Helsinki et les résultats qui ont été obtenus depuis. À remarquer quand même qu'à Belgrade, les Américains, en ce qui concerne les droits de l'homme par exemple, ont mis leurs critiques quelque peu sous l'éteignoir. Ce qui n'a pas été du tout le cas pour les Européens et pour les Français en particulier. Et cela, même si le représentant de la France, M. Bettencourt, pense qu'il ne devrait pas y avoir d'affrontement très important à Belgrade. Je ne crois pas qu'il faille s'attendre à des confrontations. Tous les discours que nous avons entendus jusqu'à présent tendent à prouver que, de part et d'autre, on souhaite aborder les problèmes avec sérieux, mais sans esprit vindicatif et sans vouloir se faire la guerre les uns aux autres. C'est donc dans un climat de respect réciproque que la conférence est commencée. C'est-à-dire que personne n'est en posture d'accuser. Personne n'est en posture d'accuser. Et sur ce problème des droits de l'homme, alors quelle est la position de la France? La position de la France, c'est de dire les choses comme elle les sent et comme elles sont. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire de la polémique. Et par ailleurs, il ne s'agit pas non plus de laisser passer les événements comme s'ils n'existaient pas. Par conséquent, un certain nombre de choses seront dites avec fermeté, avec netteté, mais sans agressivité. Et la détente alors? Est-ce qu'elle se porte mieux? Est-ce qu'elle se porte plus mal qu'avant? Moi, je crois qu'elle se porte mieux. Vous trouvez peut-être que je suis optimiste. Mais quand je pense, n'est-ce pas, qu'à Helsinki, finalement, 25 nations ont signé, se sont engagées, ont exprimé une volonté, je pense que quoi qu'il advienne, cette volonté est en marche. Elle continuera de s'exprimer, l'opinion publique est alertée, dans le monde entier, on attend un affermissement de la détente. Par conséquent, je crois que nous sommes sur un chemin meilleur. C'est-à-dire que le risque de l'apocalypse nucléaire, parce que c'est enfin tout de même de ça qu'il s'agit, est plus loin, à votre avis, qu'avant Helsinki? Ah mais moi je n'y crois pas. Je ne veux pas y croire. C'est plutôt ça qu'il faut dire, parce qu'on ne sait jamais, mais en tout cas les efforts ici vont dans ce sens, n'est-ce pas? Chacun essaie de faire un pas en avant l'un vers l'autre. Jacques Chaban-Delmas, qui est revenu ce matin de son bref voyage privé en Israël, a répété qu'il n'avait pas été chargé d'aucune mission. L'ancien Premier ministre a ajouté malgré tout qu'il allait rendre compte au gouvernement français de ses entretiens avec M. Begin. Et à propos du Proche-Orient, je vous convie d'ores et déjà à ne pas manquer une édition spéciale de notre magazine Question de temps, qui sera diffusée mercredi prochain à 20h30 sur Antenne 2, Le Proche-Orient aujourd'hui, avec des reportages de nos envoyés spéciaux en Israël, en Égypte et aux États-Unis, mercredi 20h30 sur Antenne 2. En Grande-Bretagne, une manifestation pas tout à fait comme les autres aujourd'hui dans les rues de la banlieue de Manchester. Pas moins de 3000 bobbies, les policiers britanniques, avaient pris position pour protéger un seul manifestant. Celui qui porte le drapeau ici. Cet homme, c'est Martin Webster, le leader du Front National, un parti raciste d'extrême droite. Les policiers préféraient prendre leurs précautions après les violentes émeutes entre extrémistes de droite et de gauche qui ont eu lieu cette année à Birmingham et dans la banlieue de Londres. Finalement, il n'y a pas eu de graves incidents, mais une belle bousculade quand même, car les contre-manifestants de gauche étaient là. L'escorte des bobbies de M. Webster a quand même coûté près de 250 000 livres à la ville de Manchester. Retour à l'actualité en France maintenant avec à Lyon la première rencontre nationale du troisième âge. Plusieurs milliers de personnes assistent aujourd'hui et demain à cette manifestation qui va se terminer par un déjeuner de plus de 5000 couverts et surtout par un discours demain après-midi, discours important de M. Valéry Giscard d'Estaing. La politique, c'était avant tout aujourd'hui les explications bis de François Mitterrand à RTL. Il a pratiquement répété ce qu'il avait dit hier soir, c'est-à-dire pas de changement de cap pour le Parti Socialiste, pas de polémique avec Georges Marchais. Mais le ton était quand même plus vif aujourd'hui. Tout le monde nous tire dessus, a dit François Mitterrand. Il faut éviter que le pays ne tombe dans une sorte de guerre civile larvée. Aujourd'hui et demain se réunit à Paris le comité directeur du Parti Socialiste. Deux textes ont été proposés dès ce matin au comité directeur. Le premier texte émane du CERES qui demande que la convention du 5 novembre se transforme en congrès extraordinaire afin de reprendre la négociation sur la réactualisation du programme commun. Le deuxième texte vient de la majorité du Parti Socialiste. Dans ce texte, on doit reparler des nationalisations. Fin du comité directeur, demain en fin de matinée. Deuxième réunion importante du week-end, le congrès extraordinaire du CDS à Lyon, le Centre des démocrates sociaux. Jacques Barrot, comme Jacques Chirac hier soir, a lancé un appel en direction des Français déçus par l'alliance de la gauche. On sait que Jacques Barrot va quitter le secrétariat général du CDS.
On sait aussi que M. André Diligent devrait le remplacer. Mais Bernard Stasi a quand même provoqué un mini-coup de théâtre, aujourd'hui à Lyon. Noël Copin. Noël Copin, vous êtes en direct à Lyon et vous avez assisté aux travaux de ce congrès du CDS. Je pense que vous êtes en ligne. On avait même dit qu'il pourrait être candidat à la présidence. Les premiers mots qu'il a prononcés ont provoqué une assez vive surprise. Chers amis, je voudrais simplement, très rapidement, vous donner quelques explications, dans un souci de clarté et dans un souci de franchise. J'ai refusé d'être candidat à la présidence ou au secrétariat général du Centre des démocrates sociaux. Cet événement montre bien l'ambiance d'un congrès qui a été marqué, au moins en apparence, par des problèmes de personnes et par des problèmes de statut. Ces querelles pourraient paraître bien mineures, mais elles traduisent, me semble-t-il, un malaise assez profond du Centre des démocrates sociaux. Ce malaise, c'est au fond le fait que ce mouvement a bien du mal à se définir lui-même et, comme on dit, à la recherche de son identité. D'une part, les craquements qui viennent de se produire dans l'opposition ont réveillé bien des espoirs, on serait tenté de dire bien des nostalgies de la tendance qui se situe la plus à gauche. D'autre part, le CDS, après avoir collé au giscardisme pendant plusieurs années, au point parfois de donner l'impression de se fondre en lui, est maintenant très sensible, très susceptible et se méfie de tout ce qui pourrait ressembler à des tentatives d'absorption. Le paysage politique, dit-on, est en train de changer, les centristes le disent et le pensent aussi. Une raison de plus pour eux de s'interroger, comme ils se sont souvent interrogés dans le passé, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, ils le font avec beaucoup plus de passion. Attentat au domicile de M. Alain Perfit, le ministre de la Justice, la nuit dernière. Une bombe a explosé devant la porte de l'immeuble du garde des Sceaux. Il n'y a pas de blessés. Cet attentat a été revendiqué par le noyau armé pour l'autonomie populaire. Toujours plus gros, toujours plus fort. Lancement à Saint-Nazaire ce matin du frère jumeau du Batilus et du Bellamia, des pétroliers géants de 550 000 tonnes, 414 mètres de long, équipés avec un hôtel, des restaurants, une piscine, une salle de sport et un cinéma, une véritable ville flottante. Deux fois plus grand que... Ce n'était ni la voix du pétrolier, ni la voix du commandant de bord, mais simplement un petit ennui avec l'un de nos magnétophones. Je pense que vous avez quand même pu apprécier les 414 mètres de ce gigantesque pétrolier. Cela devient une habitude depuis quelques semaines, les fanas de la bécane, j'entends les motards qui tournent normalement à Rungis tous les vendredis et les samedis, sont venus manifester hier dans les rues de Paris et sur les Champs-Élysées. Ils protestent, à leur manière, contre le 17e mort de Rungis, une jeune fille de 18 ans, et les motards continuent à réclamer un circuit. Carole Le Foll avait 18 ans. Elle est morte. 17e victime du circuit infernal de Rungis. Tous les vendredis soirs, ils sont plusieurs milliers à s'y retrouver, tous fanatiques de la moto. Paris les a exclus. Alors ils viennent ici, sur une piste qui n'en est pas une. Deux lignes droites de 600 mètres et quatre virages angle droit. Ça pourrait être nettement mieux. Non, c'est pas un circuit, premièrement, et ça peut être relativement dangereux. Il n'y a aucune organisation. C'est vraiment l'anarchie. Par ce fait même, c'est déjà dangereux et puis il n'y a aucune protection. Tout se mêle. Gros cubes et frêles mobilettes. Slalom démence et accélération rageuse. Un autre monde, fou, insensé. Orgie de bruit, de vitesse, d'ombre et de lumière. Ici, le danger ne se mesure plus. Il est seulement présent, mais fugitif. Quand un motard, un peu plus inconscient que les autres, prend une gamelle. Quels sont les principaux points qui vous semblent dangereux sur ce circuit? Le risque d'avoir des taches de gazoil, d'une part, et puis les bordures de trottoirs et les nombreux pylônes sur toutes les trajectoires. Personne ne veut plus des motards. Et les motards ne veulent plus de Rungis. Plusieurs solutions ont été avancées, mais toutes se trouvent confrontées à des refus catégoriques d'une partie ou de l'autre. On avait parlé de Vissou, mais le maire adjoint de la commune ne l'entend pas ainsi.
c'est un petit patelin qui a gardé son côté rural, un des deux seuls pays de l'Essonne, et en définitive, faire passer des milliers de motards et dans le pays, et en plus de ça, faire un circuit à côté de 120 habitations, eh bien, c'est inadmissible. Nous voulons qu'on respecte au moins la tranquillité des gens qui sont déjà pas mal gênés et par l'aéroport d'Orly et par, effectivement, l'autoroute du sud qui passe pas loin. Dans l'imagerie populaire, les motards ont mauvaise réputation. Trop libres et trop fous, sans doute. Mais attention, ils commencent à s'organiser. Les grandes manifestations sur la place de la Concorde le vendredi soir semblent le prouver. Pas de salon de l'automobile cette année, crise de l'énergie oblige, mais cela n'a pas empêché les constructeurs, évidemment, de mettre sur le marché leurs nouveaux modèles en cet automne 1977. Gérard Mérigot en a profité, lui, pour créer un petit salon de l'automobile en plein air. Il a réuni dans le parc de Saint-Cloud les principaux nouveaux modèles et il les a fait défiler comme pour une présentation de mode. Voici l'entrée des artistes. Puisque le salon n'existait pas, il nous a fallu l'inventer. 12 des principales nouveautés de l'année ont répondu présent à notre invitation. Renault 20S, Citroën CX GTI, GS 1130, Hélène, le premier enfant du couple Peugeot-Citroën, 604 TI, Matra Sim 40 Chaud, le tout-chemin démocratique, Fiat 132-2000, Honda Accord, BMW 326 et 733, Porsche 928 et Rover 3005. Parmi les plus significatives de ces nouveautés, la Renault 20 TS. Caisse de la R30, elle affiche un caractère musclé. Elle devrait plaire à ceux qui trouvent la R30 trop chère et qui ne se satisfont pas tout à fait de la mollesse de la 20 normale. Son moteur de 2 litres fait la différence. En poursuivant la revue de détails de ces nouveaux modèles, un parallèle s'impose entre la Peugeot 604 TI et la Citroën CX 2400 GTI. Toutes deux sont équipées de moteurs à injection et de boîtes 5 vitesses. Tourisme rapide, elles sont concurrentes et issues du même groupe. Pour sa part, BMW refait ses gammes. Vers le bas, c'est la 320 qui évolue, toujours la même caisse, compacte, 2 portes. Ce qui change, c'est le moteur. Il fait toujours 2000 cm3, mais il a maintenant 6 cylindres, le plus petit 6 cylindres du monde. Au printemps, une version plus étoffée sera mise sur le marché. Reste celle qui bouleverse la logique. On les voulait au musée, en fait, elles se portent bien. Elles consomment beaucoup, elles coûtent très cher, elles vont très vite. Elles sont ce que l'on peut appeler les monstres. BMW 733, elle remplace le haut de gamme, bourgeoise, sportive, bon genre. Porsche 928, la plus chère des 12 voitures présentées, elle marque un virage à 180 degrés dans la technique de Porsche. Moteur avant, 8 cylindres en V, refroidissement par eau. Et si la mode est anguleuse en matière de forme, Porsche lui tourne le dos. La 928 est plutôt ronde, plutôt méchante et plutôt à ne pas confier à un conducteur moyen. Enfin, la Rover 3005, elle a été élue voiture de l'année 77. L'industrie britannique avait bien besoin d'un titre, elle l'a obtenu. La Rover, bien que d'un prix élevé, coûte quand même, on peut le souligner, près de 10 millions de centimes moins cher que la Porsche 928. Voilà donc, si le salon avait eu lieu, les nouveautés que vous auriez pu y rencontrer. À ces 12 modèles, il convient d'ajouter que Ford, Opel, Mercedes et Audi présentent également de nouvelles voitures, nous y reviendrons. En tout cas, de 18 960 francs pour la LN à 156 000 francs pour la Porsche 928, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Après avoir décidé à l'unanimité l'annulation du salon de l'auto cette année, les constructeurs français organisent maintenant chacun de leur côté de mini-expositions. Ils ont peut-être remarqué comme un manque de la part du public. Il se pourrait bien qu'ils reviennent rapidement sur leur décision. Ce ne sera pas et de loin le moindre paradoxe de l'année automobile. Auto, moto, troisième volet à ajouter à ce triptyque traditionnel du week-end, un sport un petit peu moins mécanisé, le jardinage. Cultivons notre jardin, avait dit à peu près Voltaire, depuis des lustres,
cela n'est pas tombé dans l'oreille des sourds. Je veux parler de ces jardiniers amateurs qui se livrent à longueur de week-end ou de vacances à leur passe-temps favori. Ils exposent aujourd'hui et demain au parc floral de Vincennes le fruit de leur travail, leurs plus beaux légumes par exemple. À quoi rêve-t-on quand on est jardinier amateur et qu'on consacre tous ses loisirs à son petit carré de légumes ? À la gloire de monter un jour à Paris pour recevoir la médaille d'or de la plus belle tomate ou de la plus grosse pomme de terre. Ce championnat de France des fruits et légumes, qui passe généralement inaperçu, était entouré cette année d'un certain faste, puisqu'il coïncidait avec le 150e anniversaire de la Société Nationale d'Horticulture. Le plus gros fruit, c'est un doyenné du Comice de 840 grammes. C'est votre record ? Non, le record, c'est une bélangeuine de 1,6 kg. Quand, cette année ? Non, elle a été poussée en 1932. À Fontenay-sous-Bois ? À Fontenay-sous-Bois, rue d'Alérac, à l'endroit où il y a l'Uniprix aujourd'hui. Les jardiniers amateurs méprisent en général les engrais, mais ils ont leur truc. Par exemple, M. Désiré Tapon, lauréat de l'exposition horticole de Savigny-sur-Orge, cultive ses plantes grasses dans des eaux de pot-au-feu. Il a également considérablement amélioré le confort de ses racines en utilisant ses pots de fleurs à l'envers. Autre truc paraît-il très efficace, l'électroculture. L'électroculture consiste à capter, comme les paratonnerres, l'électricité atmosphérique par des pointes ou par des appareils enfouis dans le sol, mais qui comportent également des pointes, et qui communiquent cette électricité ou ces différences de potentiel atmosphérique à un réseau de fils de fer souterrains, qui lui-même capte l'électricité tellurique, à condition d'être orienté sud-nord magnétique. Ah bon, et alors qu'est-ce que ça donne ? Et alors à ce moment-là, ça facilite les échanges d'azote avec l'atmosphère, etc. Et la vie microbienne. Les plus grands savants ne savent pas exactement ce qui se passe, mais en tout cas, les résultats sont là. On ne soupçonnait pas les trésors d'imagination dépensés chaque dimanche dans les potagers. Mais il faut bien avouer que pour faire progresser la science horticole, certains vont jusqu'à friser la fantaisie la plus pure. Ce sont des orangers factices, mais qui ont été faits feuille par feuille par nos adhérents, et dans lesquels nous avons implanté de petits citrons, de manière à donner cette impression d'oranger, comme autrefois on les avait à notre château de Meudon, à notre orangerie du château de Meudon. Il est entièrement faux. Il est entièrement faux, mais reconstitué à partir de petites feuilles et de petits citrons par nos adhérents. Trois télégrammes de sport encore. En tennis, demain dans la finale du national, c'est-à-dire du championnat de France de tennis, François Geoffrey rencontrera Patrice Dominguez. En sport automobile, le pilote français Jean-Claude Andruet, au volant d'une Fiat Abarth, a remporté samedi le 15e rallye automobile de San Remo. Et puis dans près de 7 minutes maintenant, on débute au Parc des Princes à Paris la rencontre de football amicale entre l'Union soviétique et la France. Vous en verrez d'ailleurs des extraits et des buts s'il y en a dans la dernière édition du journal vers 23h13. Nous avons commencé ce journal en parlant de la pluie. Je vous propose de terminer ce journal avec de la pluie encore, de la pluie sur New York. Le ciel américain, en effet, n'a pas participé à la fête pour un petit événement dans le monde du show business, la remise à France Gall et à Michel Berger d'un disque d'or pour leur dernier album. Leur maison de disques avait bien fait les choses. Un voyage à New York, beaucoup de spectacles à Broadway et une longue promenade dans les célèbres quartiers de New York. Je vous retrouverai avec plaisir pour la dernière édition du journal et je vous laisse donc en musique. À New York, sous la pluie, une première. Let's go.
Friend Scout. Bonsoir, match nul de l'équipe de France face à l'Union soviétique 0-0 au Parc des Princes. Condamnation unanime de tous les partis politiques espagnols pour l'attentat qui a coûté la vie à un notable basque. L'ouverture des assises nationales du troisième âge à Lyon, le lancement d'un pétrolier géant à Saint-Nazaire, enfin la rubrique littéraire d'Alain Gilot-Pétré à la fin de ce journal. Voici les principaux titres donc de cette dernière édition. Et nous commençons donc par le football. À 40 jours de France-Bulgarie, match décisif pour le voyage en Argentine pour la Coupe du Monde, la prestation de l'équipe de France ce soir face à l'Union soviétique laisse quand même quelque peu perplexe. Surtout au vu du résultat, 0-0, il est peu flatteur. Quelques occasions de but quand même, mais il faut bien se souvenir que les soviétiques sont toujours une équipe difficile à jouer. Voici des extraits de ce match. Je pense que nous allons voir dans quelques instants les extraits de ce match donc qui s'est terminé finalement par 0-0. Quelques occasions de but, je vous l'ai dit. Voilà, je crois qu'on a de toute façon de gros problèmes avec notre magnétoscope. Je pense qu'on pourrait tout de suite passer par exemple au résultat du championnat de France de basketball. En National 1, Monaco a battu Nice 79-65, Orthez a battu Bagnolet 94-92, Avignon, Berck, Le Mans, Clermont, Caen qui a battu Denain 106-84 et Villeurbanne en battant Antibes sont les autres vainqueurs de cette journée. Deux autres télégrammes de sport encore, c'est le français Bernard Darniche qui a gagné le rallye automobile de San Remo. Et puis en tennis, en finale du National demain, c'est-à-dire en finale du championnat de France, Patrice Dominguez, qui a battu Patrick Proisy, rencontrera François Geoffrey. Rosemary Darmon et Gaëlle Lovera ont gagné pour la sixième année consécutive le double dames. Je pense, Jacques Croiset, que vous me préviendrez lorsque nous aurons les images du football. Nous allons maintenant parler de l'Espagne. Tous les partis politiques... Oui, je vous en prie, voilà, l'avertissement de Jacques Croiset. Pardon ? Eh bien, très bien, merci Jacques. Eh bien, ce résumé du match URSS-France, le voici. Les Français sont bien sûr en bleu. Et on a vu ce soir une équipe de France commençant très bien sa partie et puis subissant l'emprise d'une équipe soviétique toujours très difficile à manier. Une équipe soviétique très forte techniquement, très rapide, comme ici son numéro 10, Kolotov, qui forcerait, qui fut du reste excellent, à un arrêt difficile. Les Français ont eu des occasions par Michel Platini notamment, qui plaça un de ses fameux coups francs malheureusement pour lui sur la transversale. Il y eut des bons tirs, comme ce tir de Battenay, comme des tirs de Janvion, des actions de Dalger comme ici. Mais jamais la défense soviétique ne s'affola, jamais la défense soviétique ne fut réellement en danger. Sauf peut-être ici, voilà le fameux coup franc de Michel Platini qui rebondit sur la transversale. Le Nancéen se prend la tête à deux mains, il était dit qu'il ne marquerait pas. Rocheteau, entré en deuxième mi-temps, une tête magnifique de Janvion et encore un super barrette du gardien soviétique qui détourne en corner. Nous revoyons sous un autre angle ce corner de Dominique Rocheteau qui fut plébiscité, il est bon de le préciser, malgré l'élimination de Saint-Étienne par le public du parc. Et du reste, Janvion et Battenay furent bien meilleurs aujourd'hui qu'ils ne l'avaient été quelques jours plus tôt à Manchester. Bref, rien ne fut marqué dans ce match. Ce n'est pourtant pas les occasions qui ont manqué au 11 de France en deuxième mi-temps. Les buts, ils les ont peut-être gardés dans un mois contre la Bulgarie.
Oui, il faut l'espérer. Je pense que nous avons aussi les résultats du championnat de France de deuxième division, Thierry Roland. Oui, mon cher Gérard. Les voici, les résultats dans le groupe A. Tout d'abord, vous constaterez avec moi que Auxerre est allé gagner à Fontainebleau. C'est un bon résultat. Victoire également à l'extérieur de Besançon qui gagne à Avignon. Et beaucoup de buts marqués. Agneau-Béziers aura lieu demain. Dans le groupe B, c'est différent. Il n'y a pas de victoire à l'extérieur. Un gros score de Dunkerque face à Guingamp. Tours et Angoulême, résultat nul 2-2. De même que Poissy et le Paris Football Club. Brest et Lille, toujours sur ce même score de 2-2. A noter la victoire de Rennes contre Caen, où ça ne va pas très fort pour les protégés de Mouilleron. Match important demain, Red Star contre Boulogne. Merci Thierry Roland, voilà donc pour le sport. L'actualité, les autres titres de l'actualité maintenant, avec l'Espagne tout d'abord. Tous les partis politiques, donc sans exception, ont condamné l'assassinat du président de l'Assemblée de Biscaye, M. Unceta. C'est un nouvel attentat contre la démocratie, disent-ils. Les partisans au sommet de la Moncloa, la réunion historique du gouvernement et de l'opposition espagnole, ces participants, ont signé un appel demandant à tous les Espagnols de continuer à avoir confiance en la démocratie. Aucune organisation n'a revendiqué cet attentat qui a fait 3 morts et un blessé grave. Mais il est difficile d'oublier qu'il y a moins de 48 heures, l'ETA, l'organisation séparatiste basque, a répété qu'il n'était pas question pour elle de déposer les armes. L'assassinat de M. Unceta avait été soigneusement préparé. Les tueurs savaient qu'il allait jouer à la pelote basque avec ses amis tous les samedis matins. Ils l'ont donc attendu à la sortie du parking et ont tiré à coups de mitraillette sur sa voiture. Finalement, on peut se demander si cet attentat, commis pour le jour même où pour la première fois tous les partis d'opposition rencontraient le gouvernement de M. Suarez, ne va pas accélérer la proclamation d'un pacte de salut national entre toutes les tendances de la vie politique espagnole. À la sortie de la réunion de Moncloa, les socialistes et les communistes ont déjà qualifié d'ailleurs les travaux de positifs. Et toujours à propos du Pays Basque, le militant séparatiste Apalategui a disparu. Placé le 6 septembre dernier sous contrôle judiciaire, il aurait dû normalement se présenter vendredi dernier au commissariat central de Marseille. Les policiers ne l'ont point vu. D'après ses avocats, cette absence n'aurait pas un caractère définitif. L'affaire Schleyer. France Soir, Libération et une agence de presse suisse ont reçu ce matin une lettre de 3 pages ainsi qu'une photo du patron des patrons ouest-allemands qui est toujours aux mains de ses ravisseurs depuis près de 5 semaines maintenant. « Je vais bien, dit-il dans cette lettre à son épouse, mais je voudrais bien que le gouvernement allemand prenne rapidement une décision. » Monsieur Chabandelmas est rentré, lui, aujourd'hui d'Israël, où il vient d'effectuer un bref séjour privé. « Je n'étais chargé d'aucune mission », a-t-il dit à son retour. Mais l'ancien Premier ministre a quand même déclaré qu'il allait rendre compte au gouvernement français des entretiens qu'il a eus avec Monsieur Begin. 2 réunions politiques, aujourd'hui en France. Le congrès extraordinaire du CDS à Lyon. Dans la soirée, Jean Le Canuet a été élu président et André Diligent a été élu nouveau secrétaire général du Centre des démocrates sociaux. Et puis, réunion à Paris du comité directeur du Parti socialiste. Un communiqué sera publié demain en fin de matinée présentant la position du Parti socialiste après la rupture des négociations sur l'actualisation du programme commun. Ce matin, au cours du journal inattendu de RTL, François Mitterrand avait répété à peu près ses déclarations d'hier soir dans le journal de TF1, à savoir il faut éviter que le pays ne tombe dans une sorte de guerre civile larvée. Tout le monde nous tire dessus, a dit le leader socialiste, et parce que le Parti socialiste, en l'espace de 6 ans, est devenu le premier parti français. En ce moment, à Lyon, les participants aux Assises nationales du troisième âge assistent à une grande soirée spectacle. Mais avant de se distraire, la plupart d'entre eux ont travaillé au cours des nombreuses réunions qui se sont tenues aujourd'hui et qui s'achèveront demain par un grand déjeuner et par le discours du président de la République. Un reportage de Patrick Darroze de FR3 Lyon. Cette manifestation sans précédent aurait pu attirer encore plus de monde puisque 20 000 personnes avaient souhaité pouvoir exprimer leur point de vue à Lyon. Faute de suffisamment d'hôtels, cela n'a pas été possible. Des personnes du troisième âge qui souhaitent plus que jamais participer à la vie sociale, bref, avoir une retraite active, tournée, pourquoi pas, vers l'avenir. C'est en cela que la rencontre d'aujourd'hui est exemplaire. Et ce qui compte, c'est surtout de montrer ce qui se fait de mieux en France, de façon à stimuler les autres. La participation à la vie sociale est quelque chose de nouveau. Les personnes âgées, vous savez, ont 2 grands problèmes, celui des ressources et celui de leur isolement, de leur solitude. Elles ont réussi à briser cet isolement et cette solitude dans de nombreux endroits. C'est ainsi que les clubs pour personnes âgées, nous en avions 1 000 en 71, nous en avons actuellement plus de 10 000, dont la moitié en milieu rural.
et 2 millions de personnes âgées sont regroupées par eux. Alors c'est ce que nous avons voulu montrer en donnant la parole au troisième âge. 16 tables rondes accueillaient aujourd'hui les participants avec des thèmes très différents, la culture et les personnes âgées, leur rapport avec les médias ou encore le troisième âge utile aux autres générations. Madame, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce thème, le troisième âge utile aux autres générations? Parce que je trouve qu'il est vraiment très intéressant et qu'il me semble, oui, autrefois, il n'y avait pas de différence entre les parents, les enfants et les jeunes, quoi. Et maintenant, il y avait une coupure. Alors depuis 2 ou 3 ans, j'ai l'impression qu'on revient, au contraire, à un ensemble, une réunion, quoi. Une nation de solidarité. Une nation de solidarité. Voilà, nous vous rendrons compte demain soir de la fin de cette journée nationale du troisième âge à Lyon. Attentat la nuit dernière contre le domicile d'Alain Perfitte, le ministre de la Justice. Pas de victimes, quelques dégâts matériels. Cet attentat a été revendiqué par le noyau armé pour l'autonomie populaire. Un groupe d'extrême gauche qui s'était déjà déclaré l'auteur du meurtre de Jean-Antoine Tramoni, le vigile de la Régie Renault qui avait tué le jeune Pierre Auvernet. Et puis arrestation à Strasbourg de 4 jeunes gens qui depuis quelques jours faisaient des cartons sur les passants, les voitures et les vitrines de la ville. Ils essayaient, entre guillemets, leurs armes, paraît-il. La police a découvert chez eux un véritable arsenal, une carabine 22 long rifle avec un silencieux, un pistolet mitrailleur de 9 mm, des pistolets et un stock de 800 cartouches. À Saint-Nazaire ce matin, lancement d'un géant. Un géant des mers de 414 mètres, un pétrolier frère jumeau du Batilus et du Bellamia. Il possède pas moins d'un hôtel avec ses chambres, de plusieurs restaurants, d'une piscine, d'une salle de sport et d'un cinéma. Une véritable ville flottante que nous avons eu bien du mal à lancer dans notre journal de 20 heures. Mais cette fois, Jacques Merlino va se jeter à l'eau sans problème pour le commentaire. 2 fois plus grand que la tour Montparnasse, 11 fois plus lourd que la tour Eiffel, c'est l'un des plus grands pétroliers du monde. Baptisé aujourd'hui à Saint-Nazaire, ce navire affrété par Elf portera le nom de Pierre Guillaumat, président d'honneur de Elf Aquitaine. Immense réservoir de 648 000 m3, il est équipé d'une centrale thermique qui fournira l'énergie nécessaire à la propulsion et son poste de pilotage est doté des derniers perfectionnements techniques. Il assurera 5 rotations par an entre le golfe Persique et l'Europe, transportant à chaque voyage 554 000 tonnes de pétrole brut. Mais sera-t-il rentable ? Aux 3% d'économies qu'il permettra de réaliser sur les coûts de transport, ses détracteurs opposent l'énorme investissement qu'il nécessita, tant pour sa propre construction que pour celle du port d'Antifer spécialement conçu pour accueillir ces géants de la mer. A lui seul, rappelons-le, le port d'Antifer avait coûté près d'1 milliard de francs. Et les écologistes soulignent le risque fantastique de pollution en cas d'accident. Mais ces critiques n'arrêtent pas la société Elf. Un second pétrolier de la même taille sera lancé en juillet 1979. Il va bientôt falloir revoir et corriger l'expression « le beurre dans les épinards ». Les Français, en effet, en mangent de moins en moins du beurre. Une diminution de 3% au cours du premier semestre 1977. La margarine, elle, au contraire, s'est bien vendue, plus 1%. Miracle à Lourdes, Monsieur Moreau, un ancien mineur, le dit. Il avait perdu la parole depuis plus de 12 ans. Au cours d'un pèlerinage à Lourdes, le 23 août dernier, il a été frappé par une sorte de boule de feu qui lui a traversé la poitrine. Lorsque je suis retourné à mon hôtel, j'ai recommencé à parler. Nous sommes le 8 octobre. Pourquoi ne l'avait-il pas dit plus tôt ? Et puis, dans la série Bizarre Bizarre, toujours, le casse-tête du président d'un des tribunaux de Lisbonne. La police a arrêté 2 frères jumeaux pour vol à la tire et viol. Or, il n'y a qu'un coupable. Mais les 2 frères jumeaux se ressemblent tellement que personne, pas même les victimes, ne peuvent le reconnaître. Et pour tout arranger, l'un et l'autre proclament leur innocence. Bien difficile à résoudre, ce cas-là. La rubrique littéraire d'Alain Gillot-Pétré, vous n'avez pas de frères jumeaux, Alain ? Non, pas de problème. Normalement, nous avions rendez-vous jeudi, mais pour cause d'actualité, nous avons dû reporter ce rendez-vous à samedi. Ce sont des choses qui arrivent. Oui, merci. Donc nous allons parler d'abord du prix Goncourt. Prix Goncourt qui, tous les ans, est décerné le 21 novembre par la fameuse Académie. Le troisième lundi de novembre. Troisième lundi de novembre. Il y a 16 titres encore en course. Alors tout simplement, je vais vous poser la question à 100 000 $. Quel est votre tiercé ? Vous savez, à ce jeu de qui perd gagne, on gagne très souvent, c'est-à-dire que l'on perd. Mais enfin, en prenant ces risques, disons qu'il serait étonnant que l'un de ces 3 livres n'ait pas le prix Goncourt. La Vallée des Roses, de Lucien Bodard, Camille Bourniquel, Tempo, et Didier Decoin,
Jeanne l'Enfer. Alors, évidemment, c'est un tiercé. Et comme dans tout tiercé, il y a des outsiders. J'en vois trois personnellement. Agustín Gómez-Sarcos, Ananón, c'est un auteur espagnol qui écrit directement en français. J'espère que c'est plus facile à lire que prononcer le nom. Beaucoup plus facile. Les Cordes de bois d'Antonine Maillet, c'est une acadienne qui écrit en acadien. Et Un garçon en l'air de Didier Martin, un romancier qui n'écrit que des romans. Voilà, c'est dit, 3 plus 3 égale 6, ce qui ne veut pas dire que l'un des 10 autres romans sélectionnés soit écarté absolument ou qu'un autre roman, non encore cité, ne coiffe tous les autres le poteau. Résultat, donc, le 21 novembre pour le Goncourt. Il y a un deuxième sujet de votre rubrique ce soir, c'est Jules Verne. Mais Jules Verne, c'est pas nouveau quand même, alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau chez Jules Verne ? Eh bien, tout simplement, l'année prochaine, on fêtera le 150e anniversaire de la naissance de Jules Verne à Nantes, où il y aura d'ailleurs un musée Jules Verne. Et je ne vous ferai pas l'injure donc de vous le présenter. On a vendu plus de 20 millions de ses livres en France et au moins autant dans le monde entier, en français, en anglais, en allemand, en russe, en grec, en chinois et même en persan. Mais Jules Verne est un auteur d'actualité. Pourquoi ? D'abord parce que son œuvre est pour la première fois cette année au programme de l'agrégation de lettres modernes. Mais surtout, relisez Jules Verne et vous verrez que ses prophéties sont absolument confondantes. Anatole France, par exemple, reprochait à Jules Verne de dire « Comment vous dites qu'on va pouvoir aller sur la Lune et vous le dites aux enfants, c'est un scandale ?» Eh bien, on y est allé, c'est pas extraordinaire. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Jules Verne avait décrit la fusée Apollo, même hauteur, même poids, même métal, à peu de choses près. Jules Verne avait écrit que le module lunaire décollerait de la Lune à tel endroit pour atterrir dans l'océan à tel autre endroit. Eh bien, Apollo 13 est reparti de la Lune du lieu prévu par Jules Verne et a atterri dans le Pacifique à 4 km de l'endroit indiqué par Jules Verne dans De la Terre à la Lune. Alors régalez-vous avec les intégrales de Jules Verne aux éditions Hachette. Vous y retrouverez 64 volumes, toute l'œuvre de Jules Verne, toute l'œuvre romanesque, parce qu'il a écrit aussi des opérettes, beaucoup de choses, avec des reproductions de la célèbre édition Hetzel. Et puis, moins connu, Le village aérien et l'étonnante aventure de la mission Barsac. Ce sont des ouvrages introuvables. Ce sont les introuvables édités par les humanoïdes associés. Vous y retrouverez toute la magie de Jules Verne. Très bien. Beaucoup de livres de chevet, donc. Pour terminer ce journal, la météo. Vous savez qu'elle est catastrophique en Italie en ce moment. Il y a eu 11 morts et plusieurs disparus à la suite des pluies qui ont provoqué des inondations dans l'Italie du Nord. En France, la météo n'est pas très favorable pour demain. Le temps sera très nuageux et pluvieux de la Manche occidentale aux Pyrénées et au Golfe du Lion. Le soir, les pluies vont s'étendre des Ardennes au midi méditerranéen. Les vents de sud à sud-ouest se renforceront notamment sur les côtes et dans la vallée du Rhône. Je vous retrouverai demain à 13h avec grand plaisir et je vous souhaite une très belle nuit. Parlez à quelqu'un. Quand la vie devient invivable, vous savez que cela peut être une nécessité. Mais dans ces moments-là, vous n'avez pas toujours quelqu'un pour vous écouter. C'est pour cette raison que SOS Amitié existe. SOS Amitié, vous nous parlez, nous vous écoutons. Demain dimanche, notre programme commencera à 10h55 avec un concert donné par l'Orchestre Philharmonique de Lille sous la direction de Jean-Claude Casadesus. Cet orchestre interprétera la messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach. À 12h10, Michel Lancelot vous proposera son émission Toujours Sourire, une émission qui sera consacrée à trois espoirs du rire. Et à partir de 13h, sera diffusée la première édition du journal de l'aide. À 13h25, bien sûr, et tout au long de l'après-midi, nous retrouverons toute l'équipe de Bon Dimanche, Jacques Martin en tête, avec tout d'abord La Lorgnette, Ces messieurs nous disent. Il y aura également un nouvel épisode de la série sur la piste des Cheyennes. N'oublions pas les Newpets à 17h25. Oui ? Justement, on vous téléphone, un appel de Rome. Merci. Vous le passez là-haut ? Allô ? Signor Driscoll ? Oui, j'écoute. Vous voulez parler au signor Cusack ? Oui. Salut, mon vieux. Bonjour, Simon. Vous avez eu une idée merveilleuse d'installer votre bureau à Rome. Parce que les relations téléphoniques y sont formidables. J'ai demandé cet appel de l'aéroport il y a seulement 2 heures.
soyez pas amer, Rome a ses compensations. Comment s'est passée la balade à Rio? Sur un rythme plus animé que nous ne l'avions escompté. Il faudra éviter que j'y retourne pendant quelque temps. Vous êtes entier? Je crois. Et votre client, il s'en est bien sorti? Il devrait, oui. Mais j'aimerais avoir de ses nouvelles. Je vous en donnerai. Ah, pendant que j'y pense. L'oncle de Miller a téléphoné. Ah bon? Il a des prétentions sur Jacksonville. Quand? En janvier. Janvier de cette année? Oui. C'est trop tôt. Vous ne disposez de personne sur place? C'est vous qui le veut. Il y a 2 bouteilles à gaz. Chaque chose fait un petit kilo. Où est l'ouverture? Là où Vespasien a rencontré les têtes rondes au 14e siècle. C'est le code Napoléon? Toujours. Et Miller vous attend en février. Écoutez, Simon, j'aimerais autant ne pas le faire. Le délai est bien trop court. Mon cher, le mieux, c'est de l'appeler. Justement, il est dans la même ville que vous. Vous pourriez peut-être le persuader de faire appel à quelqu'un d'autre. D'accord. Je vous tiens au courant. Ciao. Vous avez déjà compris que toute une partie de cette conversation était en code. Cela signifie en fait que Driscoll devrait prendre dans les toilettes de l'hôtel Cromwell à Londres pour 2 millions de dollars de diamants et les apporter à un certain... Ulrich International, j'écoute. Guten Tag, monsieur. Ici Walter Hoffmann de la firme Strauss-Werke. Est-ce que monsieur Ulrich est là? Je suis désolé, monsieur Hoffmann. Il est en conférence. Peut-il vous rappeler quelque part? Je l'appelle de mon numéro suivant, 318-29-87. Et ma chambre, c'est le C-306. Danke, mademoiselle. Julian Ulrich, vous êtes au courant? Oui, oui, je sais, je viens de parler à Simon. Vous n'avez pas l'air très chaud. C'est que le délai est court, je voudrais un peu de temps avant. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Vous pourriez gagner du temps et un peu d'argent en demandant à Simon quelqu'un sur place. Il vous a dit le montant de la chose? Oui. Alors vous comprenez ma réticence à laisser cela en d'autres mains que les vôtres. Allô, Lee, vous êtes là? Oui, je réfléchis. Lee, j'accorderai un bonus. Non, ça, c'est pas le problème. Je désirerais au moins 48 heures. Si je pouvais les caler, vous seriez d'accord? Oui. Affaire conclue.